Bonjour tout le monde. Allez, on va finir l'album La Rose. Donc, plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que je me suis trompée. Donc ça, je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je le rappelle. J'avais pris exactement les mêmes dimensions que la page. Donc forcément, lorsqu'on veut la fixer sur la structure, ça ne passe pas. Donc j'ai rajouté une deuxième cartonnette par-dessus l'autre. Là, j'avais décoré avant de coller. Et ça me fait donc ceci. Je vous montrerai après le devant. Ici. Là, je vois que j'ai. Attendez. Paf, paf, paf. Je voulais faire quelque chose là. Parce que j'ai décoré mes pages. Et je voulais rajouter quelque chose ici. J'en ai qu'un. Un ici. Un ici. Non, ça va pas aller ça non plus. Je voulais mettre des boutons, des faux boutons. Là, il n'y en a pas. Alors, vous voyez, j'ai cherché dans mes blocs comme ça là que j'avais depuis un bon moment. J'ai cherché, j'ai pris des choses d'ailleurs à l'intérieur de ces blocs-là pour faire. Ah, mais ça serait pas mal. Peut-être, je vais vérifier. Peut-être un peu petit. Comme ça. Comme ça. Alors, attendez, je vois si j'en ai d'autres. Ici, c'est pas pareil. Ah, j'en ai deux là, un peu plus gros. Tac. Alors, attendez, je vous mets sur pause, je vais m'occuper de mon chat. Donc, je vous reprends. Donc, j'ai mis deux petits boutons que j'ai trouvés, donc dans mes petits papiers là. Donc pour décorer, j'utilise ce genre de bloc là qu'il y avait à une période à action. Donc là c'est autocollant, mais il faut rajouter de la colle. Hein. Il y avait ce genre de bloc aussi et les Luxe Paper Block aussi. Voilà. Donc, il y en a encore deux autres boutons. Ils auraient été jolis aussi. Voilà, enfin avec ça, on peut faire. Alors, vous pouvez faire créer carrément une structure avec ce qui est à l'intérieur, mais ça permet aussi éventuellement de décorer parce que les blocs, en tout cas les anciens blocs de Action, il n'y avait pas de cartes, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc, du coup, ça posait souci. Ça, c'est le premier point. Alors, j'ai fait une erreur à ce niveau-là. Ensuite, deuxième erreur. Deuxième erreur. J'avais prévu des interactions dans mon album et en fait ben, je suis incapable de m'arrêter. Enfin, je pense à un truc, je pense à un autre truc et puis je rajoute et voilà. Et du coup, les pages sont beaucoup plus volumineuses que je ne le souhaitais. Donc, en fait. Il aurait fallu une tranche 1 cm au moins plus grande que ce qui était ce qui est ce que j'avais donné. J'avais donné 7, il fallait au minimum 8 voire 9, mais 8 c'est bon, ça passe. Moi j'ai 6,7 ici, je vais utiliser les 6,7 que j'ai. Donc, pour préparer ma structure qui va retenir donc toutes mes pages, qui est ici, j'ai fait ainsi. Donc, il y a 2 cm qui vont être de ce côté, tout simplement parce que là, déjà, on a 1,2 cm.
plus ce côté-là. Donc, il faut bien les 2 cm de contenance pour aller ici. Ensuite, vous allez faire 0,5 pour un pli d'aisance, 0,5. Et j'ai pris 1 cm de pâte de collage. Vous voyez, j'ai mis déjà du double face et je vais rajouter de la colle. Mais le double face, l'avantage, c'est que ça va prendre tout de suite lors de la vidéo, ce qui est pas mal. Pareil derrière, j'ai rajouté ça pour qu'il y ait une base de coller. Et moi, je vais rajouter de la colle extra forte par-dessus. J'en ai mis dessous aussi le collant. Donc, voilà. Donc, pour faire ceci, j'ai fait 2, 0,5, 1, 1, 0,5. À chaque fois, donc, vous mesurez l'écart que vous voulez mettre. Et en fait, ce qui aurait été bien, c'est qu'il y ait 2, 2, 2 et 2. 2, 4, 6, 8. Voilà, c'est pour ça que je vous dis 8 cm, ça aurait été pas mal. Moi, je ne les avais pas. Donc, j'ai mis 1,6, 1,6, 1,5. Et entre, c'est toujours pareil pour faire la montagne et coller la structure. Voilà pour ça. Donc, ici, au vu de ma configuration... alors déjà j'avais plus de papier vu que je me suis trompée, il a fallu que j'utilise de nouveaux papiers pour les couvertures. Donc du coup j'ai trouvé un autre bloc tout doux avec les fleurs, avec un peu de rose, etc. Enfin, qui se mariait à peu près avec en tout cas ma collection que j'avais. Et j'ai décidé de rien mettre, carrément rien mettre du tout. Si la personne souhaite mettre une grande photo, éventuellement, ben, elle pourra mettre une grande photo. Mais j'ai préféré ne strictement rien mettre. Parce que j'avais eu l'idée éventuellement, vous voyez, j'ai même préparé éventuellement faire ceci. Et puis, je me suis dit non, stop. On va compter combien il y a de photos dans cet album, mais franchement je pense que déjà il y en a beaucoup. Voilà, donc on va coller les pages. Donc déjà je vais coller ceci, donc je vais le mettre assez bas parce que le poids des pages va appuyer. Et c'est mieux donc d'aller vers le bas. Donc, moi, ça va faire ceci. Hop. Tac. Parce que j'ai réfléchi. Au départ, j'avais réfléchi à carrément les coller sur la structure. Et ne pas faire... parce que j'avais pas les 2 cm en question. Donc, du coup, j'ai tout modifié. J'avais essayé plein de choses et ça fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionnait pas. Ça aurait pu peut-être fonctionner, mais dans le doute, voilà. Donc là, moi, je vais coller toutes mes pages ici. Et je collerai après ma structure sur la page. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Voilà, allez, c'est parti. Donc ça, c'est la première. On va prendre le picot parce que j'ai fait un peu de rangement quand même. Attendez, va faire. Mais j'ai toujours du mal à enlever les doubles faces. Moi, je suis pas douée pour les doubles faces. Hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas la reine des doubles faces. Hop. Donc là, j'ai mis 1 cm. Je voulais mettre 1,2. Et puis évidemment, ben, j'ai oublié aussi. Hein. De toute façon, cet album, je crois que j'aurais pas dû. On va pas dire que j'aurais pas dû le faire, mais presque. Parce que rien ne. À chaque fois que je faisais quelque chose, j'ai eu un souci. Mais bon, c'est les aléas du fait main, on va dire. Donc, on ne prend pas. On fait attention lorsqu'on colle. Là, moi, j'ai fait un gousset d'aisance de 0,5. Alors, tout simplement parce que
Déjà, il n'y a pas... comment dire? Et je vais pas avoir de... Vous voyez, ça va faire ça. Et en fait, je veux que ça se plie. Normalement, ça va se plier. Voilà. Ça veut bien se plier. Voilà. Ça va, alors, ça va pas se plier énorme. Hein, mais le peu qu'il va y avoir de pli de 0,5, ça va quand même... ça devrait l'aider. Après, honnêtement, je sais pas. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Je vérifie avant toute chose que en mettant, c'est le premier, en mettant comme ça, ça dépasse pas. Ça dépasse pas. On est bon. On est bon. Voilà. Donc. Pareil, avant de coller, je vais mettre une décoration ici. Et ici, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Alors, je n'ai jamais fait dans ce sens-là. Hein, mais de toute façon, je crois que cet album, il n'est pas fait pour être dans un sens bien ordonné. Parce que ça ne veut pas. Donc, la page suivante, c'est celle avec les petits pois, avec les petits pois. Donc, on ne se trompe pas. Donc, hop, je relis. Hop, ça. D'habitude, je ne fais pas le 0,5. Je fais en direct. En fait, c'est l'ensemble qui forme le... Ah, évidemment. Je vous dis que ça veut pas. Le papier est parti. Ah, on va rester calme. Bon, on va essayer sur un autre angle. Voilà. Là, voilà. Donc. Là, bon, ça devrait prendre assez vite. Hein, c'est de la colle extra forte. Donc, on écarte légèrement. On va faire un côté et puis l'autre. Donc, hop. Alors, attendez, hop. Ça, on va faire en sorte que... J'aurais dû défaire qu'un côté. Pourquoi j'ai défait les deux côtés? Vous allez me dire pourquoi j'ai défait les deux côtés? Alors attendez, est-ce que c'est la même hauteur? Non, pas tout à fait. Ça me gêne. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va faire l'autre côté. Peut-être plus simple. Je ne sais pas. Si ça veut. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Oui. Fonctionner normalement et je suis bien à la même hauteur. Yes, on fait pareil pour le dernier. Je vais appuyer après, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais appuyer et je, comme je vous ai dit, je vais hop là, oula 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 oula, le papier veut partir, partons ailleurs. Hop, on va défaire qu'un côté. L'intelligence arrive au bout du troisième. Heureusement qu'il n'y en a pas d'autres. Alors, ici, ici. Non.
attendez, je vérifie que tout va être à la même hauteur. Parce qu'en fait j'avais déjà commencé à mettre du papier et... Hop là. Normalement c'est bon. Je vérifie. C'est bon. Ah, ça a tenu ou pas? Pas entièrement. Ah, attendez, j'appuie. Avant que ça se défasse. Ah! Au secours. Alors, c'est pas la bonne technique, hein, mais bon, voilà. C'est tout, je vous dis, hein, cet album, de toute façon, n'est pas fait pour être dans les bonnes techniques. Hein. Alors, attendez, hop, ça, on va essayer de le mettre à plat pour que je puisse appuyer. Et ça, je veux pas. Pourquoi ça ne veut pas? Hop, 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 voilà, ça y est, ça veut. Là, il faut que j'appuie. Donc, pendant que j'y suis, je vais appuyer les autres. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça fait un gros patapouf là. Donc il nous manque une page, la dernière à coller. Donc il nous manque celle-ci à coller ici. Et là, j'enlève le double face. Un tout petit peu de colle. Et on est parti. Ça c'est bon. Et ça a l'air pas mal là. Voilà. Donc là je vais décorer toutes mes parties que je viens de coller, parce qu'après je vais avoir du mal à les atteindre, alors que là j'y accède très facilement, donc on va le faire, hein. Et après il nous restera donc à mettre sur la structure, et vous voyez ça, ça a tendance à s'affaisser comme ça, mais dans la structure, quand je vais coller et que l'on va fermer, en fait, ça va pas trop. Ça fait, il y a les 0,5 qui bougent, voilà, mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Voilà, on va voir si c'est pas mal. En tout cas, j'espère que ça va me faciliter pour tourner les pages. Vous voyez? En fait, c'est surtout ça. Parce que vu qu'il est plus gros que prévu. Donc, je décore. Je décore tous les morceaux qui sont là. Et je vous reprends. Je vous reprends. Donc, j'ai collé. Surtout partout j'ai laissé, par contre j'ai laissé les 0,5 de gousset tranquille. Là on va coller sur la structure,
coller sur la structure maintenant. Donc là, on va être généreux. Mettez bien sur tous les bords. En plus, là, il n'y a pas de scotch. Donc, hop, on met bien partout. Voilà, on fait le tour. Et voilà, on étale bien. Hop. Qu'il y ait de la colle bien partout. Je vous rappelle que c'est la colle extra forte Cléopâtre que j'utilise. Prise très rapide. Voilà. Dépasse et là on y va. Donc on va laisser un tout petit peu en bas, je viens au niveau du gousset et j'ai un peu de l'autre côté, donc on va s'en faire un peu là. Donc là, j'ai 1 mm, 1 mm. On regarde si je suis bien dedans. Vous fermez tout. On vérifie ici que vous ne sortez pas. Et je ne sors pas. Donc, attendez. Hop, tout à l'heure, j'avais 1 mm. Je ne les ai plus de l'autre côté. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas grave. Par contre, c'est pas pareil des deux côtés. Donc, hop. On va y remédier tout de suite. On va savoir le pourquoi, comment. Voilà. Donc là, on est pareil. Là, on est pareil. Je vais refaire. Alors, vous voyez, là, il y a une petite différence. Je vais le gérer. Ici, mais ça a bougé un tout petit peu. Mais maintenant que je viens d'appuyer, on va laisser, je vais arranger ça. Hop. Là, on appuie comme il faut. C'est pas le moment. C'est plus le moment de défaire. C'est le moment qu'on a appuyé. Hop. Donc c'est là où en fait c'est pas forcément au fond. Donc là, vous y allez carrément avec, pour vous assurer que le fond y est. Et en fait, c'est lui qui n'y est pas complètement. C'est pour ça que ça fait un petit écart. Hop. Donc ça fait ça. Pour l'instant, je vais rien faire d'autre et je vais laisser sécher. Donc ça donne ça au niveau de l'album.
Donc, je vais mettre du... Ben, je vous montrerai après. Je laisse sécher. Et je vous fais une vidéo rapide avec dévoilement de l'album qui est enfin terminé. Enfin, il me manque du glossy accent, etc. Mais c'est dans l'ensemble, c'est terminé. À plus tard. Bye bye.